Yo, Zartman 27 est de retour aujourd'hui sur Xbox One avec Wolfenstein. Mais oui, regardez, c'est Xbox One, c'est beau, hein? C'est magnifique. Ça rappelle les premiers Wolfenstein sur console. Ouais, je déconne, le voilà, le Wolfenstein. C'est une lourdeur. Ouais, il commence à m'énerver là, les petits nazis là. Alors, on va sortir l'Akimbo. Allez, Akimbo! Ouais, Adrien! Ouais! Voilà, on traverse les murs et tout. Ou alors on peut se la faire un peu en silence. On met un silencieux sur l'arme. Ou alors on jette du couteau. Pac. Hop. Dans les cacahuètes. Viens ici, je vais te raser de près, toi. Oh. Mon couteau, c'est de la marque Bosch. Bosch, c'est bien. Paf, je te plante. Après l'effort, un petit réconfort, un petit café. Petit café gourmand, un petit lait. Elle est où ma chambre? Elle est où ma chambre? Ah, elle est là. Non. Pardon, monsieur. Ah! Bonjour, bonjour. Toi, tu t'appelles Anya. D'accord. Tu t'es pas trompé de jeu, t'étais pas un gueur au foire, toi. Je te pose où? Sur le lit, sur le plateau? Dans le lavabo? Dans les chiottes? Hein? Pourquoi tu fermes la porte à clé? William? Oui, c'est William. Tu peux m'appeler oui, petit gros lot. C'est pour moi? Non, c'est pour le voisin. Oui. Il n'y a qu'un lit dans la cabine. Oh, un seul lit? C'est bien dommage, ça. Oui. Mais j'avais vu. Ça vous gêne de le partager? Non, ça me dérange pas de partager. Et toi, ça te dérange? Ah non, apparemment, ça te dérange pas, toi. Coquine, tu vas prendre cher toute la nuit. Parfois des anniversaires. Oh oui, un anniversaire. Parfois le chaos. Tu verras la tête que tu vas faire demain. La mort. Je vais batifoler, tu vas voir. Youh! Oh oui, là, j'ai été un peu fort cette nuit. Allez, on lance de la compote. Oh, oh la vache. Une vraie pagaille, ça me rappelle une blague, ça. Que dit un ver de terre qui sort d'un plat de spaghetti? Oh, quelle partouze! Bon, ok, je sors. Allez, je prends l'arme. Tac. Hop, ça faille, ça faille. Hop, hop, hop. Granada? Qui c'est qui... Oh, je t'ai vu, toi, petit coquin, avec ton petit bras, là. Viens ici. Oh, mais t'es où? T'as disparu? Headshot. Second headshot. Oh, tu vas où? Viens ici, copain. Dans la tête, alouette. Oui, il est beau le snipe. Les armes sont vachement variées dans le jeu, comme les décors. Ah bah, quand on dit d'armes, c'est varié. On a des armes multifonctions ou en découpe. Bon bah moi j'aurais pu faire un carré ou un cercle comme tout le monde. Non, bah c'est Heartland, hein, ouais. Il fait un petit bonhomme. J'ai que ça à faire. Ouais, allez hop. On découpe. Joli mon bonhomme. Oh, y a pas d'headshot? Ah oui, c'est super super soldat. Alors j'ai changé d'arme, je vais prendre l'arme un peu plus puissante. Ah, je viens de récupérer un nouveau viseur, je vais l'essayer. Alors qu'est-ce que ça fait ce nouveau viseur? Ouh, je te détecte, tu me vois? Hop, tu me vois plus. Oh, toi tu m'énerves. Donc l'histoire un peu vite fait, c'est la Seconde Guerre mondiale a été perdue, les Allemands ont conquis l'Europe, on est dans les années 60, la Terre a évolué comme d'habitude. Hop, couteau. Mais elle a évolué d'une certaine façon. Donc c'est les Allemands qui ont conquis la Lune, enfin bref. C'est assez bien ficelé. Donc c'est moderne, mais sans être trop moderne, hein, faut pas oublier. Oh, toi tu commences à m'énerver. Donc si on n'a pas assez de puissance pour tuer ce bonhomme, on peut le tuer par derrière, c'est plus facile. On jette de la grenade, on mitraille, on jette de lance-grenade. Toi aussi, tu vas prendre. Là, on repeint les murs et paf! C'est le jeu bourrin comme j'aime quoi, c'est le jeu solo avec pas mal d'heures de jeu pour tout faire, les missions secondaires, tous les objets, enfin bref. Donc si la vidéo vous a plu, vous avez d'autres vidéos sur YouTube avec Heartland Xbox One en pseudo ou sur Twitter, pareil, vous pouvez rejoindre la Hoplite Game France. Sur ce, je vous laisse. Oh là, ça fait mal. Allez, je vous laisse parce que là, ça va couper. Ouch!